Bien, salut à toutes et à tous, c'est Lord Mur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur la nouvelle map que j'ai téléchargée qui s'appelle Gem Quest 2. Donc, Gem Quest, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un genre de Temple Run. De Temple Run, en fait. Un petit peu un genre de Temple Run, non, pas trop ça, mais bon. C'est un petit peu le même. Comment je pourrais dire ça? Le même. Un petit peu la même chose. On a plusieurs petites options, donc c'est vraiment très bien fait. On va commencer d'abord par. À part les options, donc on a tous les trucs comme ça. C'est vraiment bien fait parce que regardez, en fait vous appuyez, voilà, ça affiche un truc comme ça. Je sais pas du tout comment ça se fait, mais c'est vachement bien fait. Donc on peut voir la redstone, ouais, il y a quand même du gros travail qui a été fait et ça fait vraiment plaisir. On peut refresh les clocks en cas de bug, seulement en cas de bug. Je vais pas le faire vu que je bug pas. On peut voir le map info, bon, ça c'est. Et tout sur le trailer et tout. Alors, vous avez des shops, on peut acheter un biome parce que pour l'instant je suis sur le biome. Bah attendez, on va prendre le biome initial. Je vous expliquerai après. Hein. La plaine. Voilà. Normalement j'ai choisi la plaine. Ici on peut choisir plusieurs biomes, donc forêt j'ai déjà fait, mine et neige. Et voilà. En gros, ouais, c'est bien, j'ai déjà acheté ce biome là. Et voilà, ça rend très bien fait. Vous avez des achievements à débloquer, donc ça, genre acheter un biome, j'ai débloqué, ça se met en vert. Gagner 100 gemmes, faire 350 blocs sans tomber. Voilà, il y a plusieurs achievements à gagner, c'est comme dans les jeux, comme Temple Run, et c'est un jeu qui était comme ça. Ouais, je sais plus du tout. Tout de jump aussi, en fait c'est un jeu infini si vous voulez. Et voilà, on peut aussi gagner plus de gemmes et débloquer des choses. Et à la fin c'est tout débloqué. Ici vous avez custom les gardes, donc les gardes en fait c'est des bestioles qui se trouvent sur le chemin. Ou c'est quoi, je vais changer, on va mettre une tête de slim. Voilà. Et voilà, en gros c'est vraiment interactif parce qu'on peut tout changer. Moi là j'ai déjà changé. J'ai un petit peu mis mon moi si vous voulez. J'ai un petit peu fait la même tenue. À peu près, bon il n'y avait pas ma tête, mais bon c'est pas grave. Pas grave. Donc voilà, c'est vraiment très bien fait. Et ici, si vous voulez revoir les règles, vous avez juste appuyé ici, guide de la map. Hop, vous venez ici, et là vous appuyez soit sur ce bouton là, soit pour de l'avant, je vais se quitter, ce que j'ai déjà vu. Et voilà, bon, on va pouvoir commencer une petite partie, je vais faire 2-3 parties pour vous montrer. Hop, allez, c'est parti. En gros, c'est pas la même chose tout le temps. Ah hein. Oh, voilà, je tombe, génial. C'était juste pour vous montrer que c'était pas la même chose tout le temps. Voilà, vous voyez, ça change de terrain à chaque fois. C'est ça qui est cool. Et voilà, en gros. Ah, dommage. C'est très dur, hein, c'est vraiment très dur. On va réessayer. Et en bas de la barre XP, vous avez, enfin, dans la barre d'inventaire, vous avez plusieurs choses comme des atouts. On appelle ça comme ça, des atouts. Et ah merde, c'est vrai qu'il faut se faire toucher. Vous avez plusieurs atouts comme ça. Vous avez si je me trompe pas, si c'est double gemme. Attendez, on va regarder. Shop, c'est des power up. Power up, je vous ai pas montré. En premier, vous avez plateforme de verre, coûte 30 gemmes. Donc en gros, vous tombez plus. Double gemme qui compte 20 gemmes. Auto kill guard qui compte 15 gemmes. Et power boost, ça je sais pas du tout ce que c'est. Je crois que c'est pour gagner plus. Je sais pas, je crois que c'est pour la vitesse, je pense. Et voilà, il y a plusieurs choses comme ça, c'est vraiment très bien fait. Et je vais vous montrer aussi un autre biome. Forêt. Biome choisi, forêt. Et voilà. Et hop, vous appuyez sur démarrer. Ça change de biome. Et voilà. Aussi, sur la map. Je vous ai pas dit aussi, la barre d'XP vous montre ce que vous avez comme. Ah non, j'ai ramassé un malus. Ah, j'ai ramassé un deuxième malus. Ah, j'ai ramassé un troisième malus. Oh, je vois rien. Ah ouais, je voyais rien. Et oui, donc ici, là. Ici, là, vous avez combien de gems vous avez. Donc là, j'en ai 74. Et voilà, en gros, c'est si jamais vous faites chier, vous devez attendre quelqu'un. Comme moi, des fois, j'attends à Xenox. Que soit qu'on commence une vidéo, ou qu'il ouvre le serveur, ou qu'il a un problème et tout. Bah voilà, je fais des petits trucs comme ça je gagne des gemmes. En gros c'est un jeu interminable, enfin vous pouvez le terminer, mais vous aurez toujours des maps, vous pourrez toujours jouer et tout. Et c'est ça qui est cool. En gros, ah putain ça lag, faut que
En gros, ça passe le temps. Ça passe le temps en fait. Mais voilà, c'est vraiment très bien fait. Des fois, vous trouverez la même map, hein, comme moi je trouve exactement la même map. Après, je pourrais y aller tout doucement. Mon but, c'est d'aller toujours courir, sinon de faire cette map. Ah ouais, genre ça malus, génial. Il y a plusieurs trucs de ma façon, vous le verrez. Je vous conseille quand même de faire le truc pour voir la map, enfin pour voir les règles de la map, comme ça vous en saurez plus. Pour ceux qui connaissent pas, mais cette map là est assez connue. Hein. Est assez connue. Hop, en temps, je me débrouille pas si mal. Hop, hop. Et ouais, ça se ressent un petit peu aussi. Mais bon, hein. On va pas se plaindre, c'est déjà super bien fait. L'interface, je vais y arriver, est super bien faite. Allez. Ah, malus. Et ça dure 20 secondes, je crois. Ah, dommage. Ah, j'ai gagné un nouvel achievement. Bah, excellent. Hop, vous voyez, tout à l'heure, je l'avais pas. Bah, maintenant, je l'ai. Ah, bah, j'ai gagné 100 gemmes et faire 350 blocs sans tomber. Ouais, j'ai déjà mis les 3. Pour savoir tous les power-up et débloquer toutes les pommes. Tous les biens, pardon, toutes les pommes. Bon, voilà, les gens. Bah, comment dire, cette map vaut le coup d'œil, allez faire un petit tour. Je vous passerai le lien de la map dans la description. Vous pourrez télécharger. Vous avez juste appuyé. Normalement, vous aurez un texture pack mis à disposition. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Amusez-vous bien sur cette map. Et comme je vous dis, ça fait passer le temps. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner. Je vous ferai de gros bisous, les gens. Je vous dis à la prochaine et merci de me suivre. Bisous.